Ce qui se mange pas, c'est vraiment la partie qui est directement enfoncée, profond. Donc en fait, je pars du haut et je presse très délicatement mon couteau. Bonjour Alexandre. Bonjour Elisabeth. Alors on va faire un petit tour en forêt. Ouais, on va essayer d'aller trouver des champignons. Alors en fait, pour tout te dire, je t'ai vu sur l'émission d'Échappée Belle et je t'ai contacté. Je me suis dit, j'irais bien faire un petit tour avec Alexandre parce que sur Bassin TV, nous, on aime le patrimoine et là, c'est quand même du patrimoine mycologique. Oui, patrimoine naturel et mycologique, ouais, on va aller chercher et découvrir quelques champignons de nos forêts ouais, qui poussent en ce moment. Et je me suis dit, ça c'est un passionné, alors il faut absolument qu'il vienne avec nous faire un petit tour. Là, ça tombe bien, c'est ma passion, hein. J'adore ça. Bon, alors toi tu interviens à l'Office du Tourisme d'Arès ? Oui, ouais, je travaille pour l'Office de Tourisme d'Arès et la mairie d'Arès oui. Et j'organise essentiellement des sorties nature et environnement, aussi un petit peu des sorties patrimoine justement, patrimoine historique, mais surtout des sorties nature sur la réserve des Prés Salés et sur des thématiques comme celle des champignons. Ouais. D'accord, bon, alors on y va ? On y va, c'est parti. C'est parti. Allez. Bon alors, les champignons aiment l'humidité ? Oui, tout à fait. Ça, c'est la première chose à chercher. Et alors, pour trouver des cèpes ? Alors nous, ici, chez nous, pour trouver des cèpes, c'est relativement facile, entre guillemets, hein, au moins de trouver des endroits où il peut y en avoir. C'est déjà, il faut repérer les chênes. Oui. Donc, c'est principalement chez nous, sous les chênes. Oui. Il en faut quelques-uns, mais pas forcément une forêt simple de chênes. Les forêts mixtes avec des pins, avec d'autres espèces, c'est bien. Et puis, il faut des signes d'une humidité à un moment ou un autre de l'année. Donc, les longs de fossés, les endroits où il y a des petites touffes d'herbe qui poussent, des fougères également, les bas-fonds noirs et humides. Tout ça, c'est très bon pour les cèpes. Ça, c'est des bons tuyaux. Ouais, ouais. Et alors, celui-ci qu'on voit là, alors, il est comestible là... Non, justement, celui-là, il fait partie des pas comestibles. Ah. Alors, c'est marrant parce qu'il y en a plusieurs. Voilà. Alors, là... La première chose, c'est que quand on veut ramasser des champignons et qu'on veut éviter de faire des bêtises, il faut immédiatement dire qu'on cueille les champignons de manière totale. C'est-à-dire que mon couteau, là, pour le moment, il est dans la poche. Oui. Et je ne me sers pas de mon couteau pour cueillir les champignons, je D'accord. me sers de mes mains. Oui. Et dans la plupart des cas, je ne vais pas les chercher dans la terre, ce n'est pas nécessaire. Mais là, en l'occurrence, je veux absolument vous montrer ce qu'il y a sous terre. Oui. Parce que là, c'est un critère déterminant ici. On est chez une amanite. Voilà. Oh, elle est magnifique. Donc les amanites, c'est très joli. Hein. Oui. Donc les amanites, en fait, elles vont avoir ce qu'on appelle une volve oui. à la base. Donc c'est-à-dire que le pied est renflé, ça fait comme un œuf. Oui. Voilà. Hein. Et il y a deux sortes de volves. Il y a les circoncises, donc là c'est le cas. Hein. C'est-à-dire qu'elle est collée, on ne voit pas vraiment la différence entre la volve et le pied. Et il y a des fois, il y a des volves engainantes, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'elle est sortie d'un sac, comme un parachute. Voilà. Donc chez les amanites... En plus de cette volve qui est quasiment tout le temps là, vous avez un anneau, voilà, une petite collerette ici. Voilà. Et cette collerette, elle permet de les distinguer de la famille des lépiotes, qu'on appelle souvent les coulemelles, parce que chez les lépiotes, l'anneau coulisse, alors que là, ça s'arrache. Vous voyez, le petit anneau. Voilà. Donc là, c'est l'amanite panthère. Donc elle est de couleur marron. Elle a, comme l'amanite tumouche, qui est plus célèbre, qui est rouge, elle a des petits points blancs sur oui. le dessus. Oui, oui. Voilà. Donc il y a pas mal d'amanites qui ont des petits points comme ça sur le chapeau, plus ou moins blanc en général. Donc c'est sa cousine ? C'est une cousine, effectivement, mmh. de l'amanite tumouche. Et comme toutes les amanites qui sont toxiques, elle est totalement et uniformément blanche. Vous voyez les lamelles, ah oui. donc ce qui est dessous là, hein, voilà ici qu'on appelle des lamelles. Et le pied, c'est totalement blanc. Il y a quelques espèces d'amanites qui sont comestibles et elles n'ont pas le pied et les lamelles tout à fait blanches. Donc c'est un premier truc à regarder. Hop, voilà. Donc je la remets toujours comme elle est, puisqu'en fait le champignon, c'est ce qui produit les graines. Oui. Hein, c'est ce qui produit les spores. Les spores, elles sortent du dessous. Donc je les remets comme ils sont pour qu'ils puissent continuer à se reproduire. Et j'en ai un deuxième ici qui est vraiment bizarre. Ah oui, quel drôle de forme. Là voilà, hein, là on fait vraiment. On entre vraiment dans une famille très très bizarre. C'est une famille très proche des morilles. Ah oui, en effet, oui. Qui sont assez célèbres. Alors ouais. ça se mange pas, hein, en l'occurrence. Là, c'est un Elvel. Voilà, c'est proche des morilles sans en être. C'est très joli, hein, voilà, très, joli. Hein, très surprenant. Ouais. Ouais, c'est aussi donc un champignon. Donc les champignons, c'est des êtres vivants qui sont ni des végétaux, ni des animaux. C'est des êtres vivants à part entière. Et leur mode de reproduction, donc, c'est de produire des spores via donc, ce qu'on appelle des sporophores. En fait. C'est ça qu'on ramasse et qu'on mange, nous, hein, les sporophores.
Voilà. Donc l'immense majorité des champignons ne servent pas à grand chose. Voilà. Il y en a très très peu qui sont des très bons comestibles. Et la plupart des mycologues conseilleront de ramasser vraiment que les meilleurs. D'accord. C'est pas loin, ouais, c'est ce qu'on appelle les colibis, donc c'est de la même famille effectivement. Et souvent voilà, ça fait effectivement des formes plus ou moins circulaires. Il y en a là-bas aussi. Eh oui. Hop, la tacle. Ouais. Oui, effectivement. Ouais. Et ce petit-là aussi? Alors ça c'est un mycène. Ah. Alors les mycènes, c'est des petits champignons qui sont toujours sur des morceaux sur de bois. Branche. Sur des pommes de pin, sur des feuilles. Ouais. En fait, c'est un champignon qui ne vit pas en symbiose avec les arbres, comme le cèpe, par exemple. C'est un champignon qui décompose de manière directe la matière morte, donc l'humus, les choses comme ça. Et les mycènes, ils ont toujours la même forme, ils ont un petit pied grêle, un petit chapeau en ombelle et un petit mamelon. Hein, voilà. Ils ont parfois un peu la forme d'un bonnet de lutin. De manière générale, les petits champignons qui ont la forme d'un bonnet de lutin, si on les mange, ça sert juste à les voir, les lutins. Hein. Ah, C'est des champignons. J'ai compris. Voilà, c'est des champignons qui sont toxiques à hallucinogènes. Et là, ceux-là, c'est... Alors, c'est les mêmes que les premiers que tu m'as montrés, ah, oui, mais en plus gros. Et c'est là aussi qui est important hein, avec les champignons. Voilà, hein. Là, c'est tous les mêmes. Et on voit bien qu'entre les tout petits qui viennent à peine de sortir, de commencer à pousser, et les très gros qui sont très vieux, oui. Peut y avoir des différences de forme, de couleur. Et ça, c'est important. À regarder. Normalement, on essaie de ramasser les champignons vraiment quand ils sont bien développés, ni trop petits, ni trop gros, parce que sinon on peut les confondre à ces moments-là avec d'autres. Regarde, on est sous un châtaignier. Ouais, petite châtaigne, ça aussi c'est de saison. Il est loin le châtaignier. Il est loin, il y a eu du vent. Ouais, il y en a un petit là, généralement ils sont plus par là. Alors là, normalement, si je ne m'abuse, alors l'espèce je la connais pas spécialement. Là on a un champignon qui est hyper visqueux, c'en est désagréable tellement il est visqueux. Et en fait, je vais le casser pour être sûr. Ouais voilà, là c'est bon. Quand on le casse, regarde le jus que ça produit. Ah oui. C'est impressionnant, voilà, hein. Tac. Je vais en secouer un peu sur ma main. Hop. Oh là là, voilà, c'est du lait. On dirait du lait, exactement, tout à fait. Donc ça, c'est de la même famille que les russules, mais c'est un cousin, c'est un lactaire. Ah. Voilà, les lactaires sont des russules qui produisent du lait, en gros, hein, si on doit simplifier la chose. Et donc du coup, ben, comme chez les russules, en fait, il y en a très peu qui ont un intérêt, mais comme chez les russules, l'avantage, c'est que là, on a une généralité, c'est que tous les lactaires produisent du lait, soit il est blanc, soit il est jaune, soit il est orange et rouge. Les seuls qui sont bons à manger, c'est ceux qui sont orange et rouge. Ah. Tous les autres, on les jette. D'accord. Voilà. Donc, même pas besoin de les distinguer en fait, les uns des autres. Il suffit de juste en casser un morceau. Oui. Alors, en général, moi, je coupe la partie terreuse du pied et je pose sur mon doigt pour vérifier. Bon, ça se voit hein, de suite. Quand on casse et que la chair est blanche, le lait va être blanc. Quand on casse et que la chair est rose saumon, le lait va être rouge. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle vulgairement les lactaires délicieux ou les lactaires sanguins. C'est plusieurs espèces. C'est un bon comestible. On surnomme ça le catalan aussi dans certains endroits. C'est un comestible notamment qui dans le sud-est se mange conservé au vinaigre, comme les pickles. D'accord. Horrible celui-là. Je ne connais pas cette espèce, mais je ne l'avais jamais pris en main, en tout cas, c'est sûr. On en découvre tout le temps. Oui, c'est encore des amanites. Tiens, parce que en fait, c'est là que c'est dangereux de... Voilà, c'est là que c'est dangereux de les ramasser trop tôt, les champignons. Ah oui. C'est que là, tu vois, par exemple, ça, c'est une amanite. Alors là, la volve, elle est explosée. Elle a explosé littéralement. Mais tu vois, en fait, ce qui m'a indiqué, c'est qu'il y a encore les petits copeaux, là, les petites peaux, ah tu oui. vois. Oui. Là. Encore une fois, c'est des peaux qui sont dures là, à gratter. Donc ça, c'est une amanite qui n'est pas comestible. Voilà. D'accord. Tac. Et donc, souvent, des gens peuvent faire des confusions, justement, en ramassant des champignons trop jeunes qui peuvent ressembler vaguement à un autre. Et hop. Et en fait, là, si on sépare... Si on sépare en fait le pied, regarde, tu vois, à l'intérieur, on ne voit pas encore les lamelles. Oh. Et en fait, je vais tirer et tu vois, ça, c'est la collerette de l'amanite. Ouais. C'est ce qui allait devenir l'anneau, en fait. Ouais. Voilà. Ah oui, et ça cachait jeune. Les lamelles. Mmh. Voilà. Donc, très, très jeune, les amanites, ça peut provoquer une confusion. Ouais. Alors, la quasi-totalité des amanites sont toxiques. Là où il faut se rassurer,
c'est que peu sont réellement mortels. Bon. Voilà. Venez voir, là, on dirait des coraux. Voilà. Orange. Ouais. Il y en a des oranges et il y en a des gris juste à côté aussi. Ah, donc, c'est des clavers. Il y a une espèce de claver qui se mange et les autres sont à dédaigner. Et cela, c'est ce qu'on appelle vulgairement les clavers corail. On a des jaunes, des blancs, des gris. Là, il y en a des gris ici. Beaucoup d'ailleurs. Ça décompose aussi la matière organique. Après, les champignons, c'est très visuel aussi. Ah oui. C'est très joli. Voilà, on peut en faire... Voilà, on a une colonie. Voilà, on a une colonie. Donc, ce qu'on appelle des polypores. Donc ça, on ne l'avait pas vu encore. Voilà, quand on regarde le dessous, hein, voilà, hein, ça fait comme une mousse, comme une éponge. Donc, ça fait comme chez les cèpes. Hein, voilà. Hein. Donc, il y a deux sortes de champignons qui font cette espèce de mousse là-dessous. Les polypores qui poussent sur le bois et les cèpes ébolés en tout genre qui poussent dans la terre, eux. Ça, c'est la célèbre girolle. Donc là, on a un très bon comestible. Mais elle a été mangée par un escargot. Elle a été abîmée par le temps. Elle n'est pas, pas jeune. Ah oh, oui, oui, voilà. Oui, on connaît bien. Hop. Là. Tac. Donc en plus, c'est cool parce que c'est un spécimen bien développé. Donc on va... Ah, si je la casse pas, c'est bon. Elle est solide. Voilà, hein. Elle est bien développée. Donc... Les girolles, c'est souvent confondu. Déjà, il y a une confusion entre chanterelle et girolle, alors qui vient de l'origine. C'est longtemps appelé une chanterelle, alors que ce n'en est pas une. Donc, les girolles, en fait, se distinguent des autres champignons, comme les amanites ou quoi, par le fait que ce n'est pas des lamelles. Si on regarde attentivement, c'est des bourrelets, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que déjà, ce n'est pas droit. Hein, ça va être sinueux, comme ça, hein, voilà. Et c'est très épais. On ne peut pas le casser, ça. Oui. Voilà. Donc les bourrelets, ça caractérise les chanterelles et les girolles qui sont des comestibles. Si ce n'est pas des bourrelets, ce n'est pas possible que ce soit une girolle. Et ensuite, une girolle, c'est jaune. Voilà. Et c'est le même jaune uniforme dessus. Et après, dessous, c'est son propre jaune, pareil, uniforme. Voilà. Il n'y a jamais de nuance de jaune ou d'orange sur une girolle. Elle a vraiment une couleur pour le dessus et une couleur un peu plus terne pour le dessous. Voilà, ça c'est un bon moyen aussi de les reconnaître. Et puis voilà, hein, ça pousse sous les feuillus essentiellement. Hein, c'est excellent en sauce. C'est très très bon ça. Bon, bah, on fera quelque chose qui se mange. Ouais. Mais tu crois qu'on va finir par trouver un cep? Ben, je pense que oui. Enfin. Oh, mais il est magnifique. Ah, il est superbe. Wow. Donc il est dans un habitat que j'aime beaucoup, alors voilà. Donc il ne faut surtout pas bouger quand tu en as repéré un, et il ne faut pas te précipiter, parce que regarde, tu vois, là tu en as un. Oui. Et regarde celui-là. Oh là 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 là. Extraordinaire. Et ça c'est souvent, hein, dans ce type d'endroit là, comme oui. Ça, quand tu as des herbes, comme ici, oui. Souvent en fait, tu en vois un. Et en fait, il y en a plusieurs, et l'erreur que font beaucoup de gens, ils se précipitent sur celui qu'ils voient, et ils en cassent, ils en écrasent. Et du coup, bah, une fois que c'est écrasé, souvent, c'est pas récupérable. Donc là, par contre, pour le coup, ça va valoir le coup de sortir le couteau. Donc encore une fois, hein, moi je fais plusieurs pressions sur le champignon pour qu'il vienne en entier. Avec les cèpes, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher sous terre, hein, pour les faire venir. Et ensuite seulement, donc là, je vais utiliser mon couteau pour éliminer ce qui ne se mange pas dans le champignon. Donc ce qui ne se mange pas, c'est vraiment la partie qui est directement enfoncée, profond. Oui. Donc en fait, je pars du haut et je presse très délicatement mon couteau. Voilà. Et en fait, en pressant délicatement, voilà, on voit qu'il y a une partie de la saleté qui ne part pas. Oui, en effet. Voilà. Donc c'est pas grave, c'est fait pour. En fait, je veux connaître l'endroit justement où le cep n'est pas mangeable. Voilà. Donc tout là où ça ne part pas en grattant simplement, on élimine. Tout ce qui n'est pas beau, hop, on élimine. Voilà. Et là, le cep, il est presque prêt. Quand on rentre chez soi, on le passe juste
avec un torchon humide. Voilà, hein, on passe tous les endroits pour virer tous les petits grains de sable, etc. Mais jamais on va le passer à l'eau. Hein, oui. Voilà, il faut surtout pas, puisqu'il va y avoir de l'eau qui va rentrer, ça va faire un effet éponge et ça va pas être bon. Hop, voilà. Alors l'autre, il a l'air un peu plus vieux. On va, ouais, voilà. Là, tu vois, moi, tout seul. À ce stade-là, je les ramasse plus. Ah, il y en a pourquoi qui... Parce que c'est un peu vieux, tu vois. C'est pas bon au goût. Ah, c'est pas que c'est pas bon, c'est pas que c'est pas bon, mais tu vois, il est relativement mou quand même. Hein. Oui. Je vais le prendre quand même, mais il est limite, ouais, il est tout juste. Ouais. Donc, tu crois qu'il a quel âge? Alors ça peut avoir plusieurs jours. Hein. Ah. Un cep, ça met, on va dire en moyenne, ça va mettre une semaine à se former bien correctement. Dans des circonstances exceptionnelles, ça peut mettre 15 jours. Peut grandir pendant 15 jours. D'accord. Voilà. Hein. En tout cas, un truc qui est sûr, c'est que voilà, ça ne sort pas en un jour. Hein, si vous faites le même coin de jour en jour et que de jour en jour, vous trouvez des cèpes et vous avez l'impression qu'ils sortent. Non, ils étaient là la veille, vous ne les avez pas vus. Ils oui. ont beaucoup grossi, mais ils étaient là. Hein, ça ne décuple pas comme ça non plus. Et ensuite, il y a une autre légende aussi, c'est cèpes vus ou champignons vus, champignons qui ne poussent plus. Ça, c'est faux. C'est vrai dans certains cas parce qu'en fait justement on va trop se précipiter sur les champignons et les petits qu'on va laisser on va avoir marché trop près d'eux. Ah en oui. fait c'est un peu comme si on commence à cueillir la pomme et qu'on arrête. Même si elle tient, quand on a commencé à la délier, le fruit ne va pas pouvoir être lié longtemps à son arbre, il va tomber. Ben, le cep c'est pareil. Si on a marché trop près et qu'on a légèrement désolidarisé le champignon de son mycélium, il n'arrivera pas à grandir, il va rester tout petit et il va pourrir. Et du coup, ça donne l'impression effectivement que quand on l'a trouvé, ben c'est fini, il a honte, ouais. il meurt. Mais non, c'est pas vrai. Moi, j'ai laissé plein de fois des cèpes qui sont devenus énormes. Ça fait plaisir. Oh, je m'en doutais avec ce petit coin que ça devrait le faire. Alors là, tu vois, il y en a, Elisabeth, il y en a un qui ressemble au cep. Souvent d'ailleurs, ça fait une fausse joie dans le bois quand on le voit. Et puis après, en fait... Surtout maintenant qu'on en a pour comparer, voilà, oui. on va voir la différence. Hein, alors notamment au niveau du pied, hein, le pied il est très très dur et fibreux hein, ici, alors qu'il est beaucoup moins dur et plus épais proportionnellement sur celui-là. La couleur du chapeau, là, celui-là il a vraiment toujours la même couleur de chapeau. Donc de temps en temps, le cep de Bordeaux ici, il peut prendre un peu la même couleur, mais ça c'est ce qu'on appelle marron B. Voilà. C'est teinte B, et ça donne le nom du champignon qui est le bolet B. Et l'autre caractéristique, et ça y est, on commence à le voir, c'est que quand on l'effleure, ne serait-ce qu'on l'effleure, voilà, il bleuit. Ouais. Voilà. Très et sensible. Donc lui, pas du tout, hein, évidemment, hein, le cep de Bordeaux. Donc ça, les ceps, c'est des espèces qui appartiennent à un genre qui s'appelle Boletus, et qui sont appelés ceps parce qu'ils sont bien meilleurs gastronomiquement. Mais lui, c'est quand même 3 étoiles, alors que ça, c'est 4 sur 4. Voilà. D'accord. Donc ça c'est très très bon. On en retrouve d'ailleurs quand il y a des mélanges de bolets dans le commerce, il y a du bolet B souvent. Hein, voilà. C'est que le chapeau qui se mange. Et vu que ça change de couleur, c'est comme la manite de tout à l'heure. Amanite rougissante, cèpe bleuissant, tout ça, ça doit être cuit. D'accord. Absolument avant d'être consommé. Ça ne peut pas se manger cru. On ne peut pas se dire je me fais un carpaccio bleu de champignons. Ouais. Non, c'est toxique. Hein, le carpaccio bleu, hein, il faut vraiment cuisiner le bolet B. Et ça, ça pousse plutôt sous les pins. Voilà. Donc souvent confondu et appelé cèpe de pin. Dis-moi Alexandre, d'où te vient cette passion pour les champignons, la nature ? Alors, pour les champignons, c'est clairement et de manière générale de mon grand-père, je pense. Ouais. Il m'a amené aux champignons très tôt, très jeune, dès que je savais marcher. Il m'a amené à la pêche, etc. Et voilà. Après, dès que j'ai pu y aller par moi-même, ben, j'y ai été. Alors, j'ai eu la chance d'habiter dans les bois, donc les champignons, j'ai pu en profiter à vélo dès que j'étais tout jeune. Voilà, c'est comme ça que c'est né et c'est comme ça que ça continue. Maintenant, j'y passe beaucoup de temps aussi pour mon loisir surtout. En tout cas, c'est un vrai bonheur de passer du temps avec toi parce que tu nous donnes des quantités d'informations, mais en même temps, tu nous passionnes. Et surtout, ben, on s'arrête, on contemple et on regarde ce que la nature nous offre. Parce que si on passe trop vite, en effet, on ne voit pas les champignons. Ben oui, exactement. Et du coup, ça provoque un bien-être et on a envie de dire merci à la nature, mais surtout merci à toi parce que là, tu nous as donné des informations très importantes. Manger cuit, manger cru. Et c'est vrai que, ben, au moins, on va éviter pour les gens qui regardent des petits maléfices. C'est essentiel. J'ai retenu aussi le champignon qui est la tête de lutin. Là. Oui, oui. Tous ceux qui ont une tête de lutin, on les évite. C'est pas bon. C'est pas bon signe. Bon, en tout cas, un grand merci. Et je savais que j'allais passer un délicieux moment.
Et ensuite... Voilà, il y a un autre délicieux moment, une fois qu'on a réussi la première étape d'en trouver, c'est qu'après on peut aller les cuisiner oui. pour les manger. Et c'est oui. Un produit de saison très agréable, oui. voilà, qui coûte juste une petite balade dans les bois. Donc en plus, c'est plaisant. Oui. Merci en tout cas, on a eu beaucoup de chance. Ah ben oui, nickel. Dès son arrivée, l'ancien président s'est offert un...